Quand j'étais petit, tous les matins, je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins, ça change. Mais plus tard, j'ai compris qu'ici, rien ne changeait jamais. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Et voilà, et j'ai fait le tour du monde. Eh ben, te v'là, toi. Ben, moi, je fais du vin. Mm-hmm. Ça fait 2 ans que je suis à plein temps avec papa, mais ça fait 4 mois qu'il est à l'hôpital. Mais t'es sérieuse, là? Il débarque comme une fleur et nous, on est censé... Qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Ah, ah. Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Je sais pas avec qui, je sais même pas ce que tu fais. Alors, c'est les grandes retrouvailles? Lucia. On venait de se rendre compte qu'en plus de la perte de notre père, on avait encore beaucoup à perdre. Tu vas vouloir vendre tes parts de l'héritage, c'est ça? Je me vois pas vivre ici. Ça te fait ni chaud ni froid de savoir que tu vas vendre l'endroit où on a grandi, où la terre, le vin, tout le travail de papa et maman? C'est bon, bref, ça c'est ma vie, ça c'est pas tes zones. Ah bah si, Jean. En fait, tu parles aussi de ma vie, là. Et j'ai fait le tour du monde. Parfois, je me dis que je suis plus parti pour fuir. Tu voulais fuir quoi? Mes racines, quoi. C'est un peu spécial pour nous trois cette année parce que les trois, on vient de perdre notre papa. On était revenus. Beaucoup de fruits, peut-être un peu trop de fruits. Wow, c'est festif, fruits, hein, partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles.